Transformers Disney Label avec Mickey Optimus Prime version Noël. On voit derrière la boîte le robot Mickey. On a ici, effectivement, comme vous pouvez voir, ça sera les gimmicks. En véhicule, il est dedans. En mode robot, il se retrouvera au-dessus de sa tête. Bon, la boîte, voilà, donne déjà la couleur. En plus, effectivement, avec cette teinte un peu festive, puisque c'est la période, ça a l'air vraiment rigolo. J'étais pas du tout fan de cette série-là. Surtout, encore plus, avec Donald, Bumblebee, enfin, toutes les rocolos qu'il y a pu avoir de Mickey ou Donald. Mais là, voilà, une fois en main, c'est quand même bien sympathique. On a ici un rouge, mais métallisé, du plus joli effet. Le blanc, ici, est brillant, et non pas mat, comme les roues. Donc là, voilà, c'est des roues à très gros pneus, comme on peut voir. Ça fait limite un petit peu chasse-neige, ici, du fait du garde-boue. Donc celui-ci est fixe, celle-là tourne. On a tout de suite en dessous, parce que ça va être assez simple, niveau transformation Mickey, au niveau de sa tête. Vous avez ici, avec la charnière, puisqu'on va pouvoir ouvrir les portes, voilà, comme cela. Bon, même si c'est tout de suite creux, mais bon, voilà, ça donne un petit côté un peu plus amusant, un peu plus réaliste, même si c'est totalement déjanté et décalé. On a le logo, Autobot Mickey Transformer. Ici, on a un petit peu de vert. Et forcément, notre Mickey national à l'intérieur. Donc quand même pas mal de détails, même si c'est un petit peu en format SD, super déformed. On note quand même les pipes et la calandre habituelle d'Optimus. On va déjà commencer ici par déclipser. Voilà, vous pouvez voir apparaître le premier clips, pareil de l'autre côté. On ouvre ici, charnière là-haut. Voilà. On va rabattre cela vers l'arrière, comme cela. Alors là, vous voyez qu'il y a un axe avec un ressort, normal. Je vais déjà séparer ici, hop, parce que ça fera les bras. Vous voyez, vous avez également un petit centreur au niveau de l'épaule, donc c'est quand même bien pensé. Je vais basculer ici, puisque quand on va plier tout ça, vous voyez, en fait, c'est la calandre qui le fait basculer. Là, on remet. Là-haut, ceci, je le bascule vers le bas, et hop, Mickey réapparaît là-haut. On va replier, ainsi, bon, ça lui fait un petit peu une cape, mais ça fait rien. À l'avant, on tourne, vous entendez le clic, voilà. Enfin, plutôt dans l'autre sens, ça sera mieux, pardon. Voilà, sinon il va pas tenir debout. Donc, au niveau mouvement, vous pouvez voir, vous avez articulation ici, ici la charnière. Bon, on voit un petit peu ses doigts, ça reste très succinct, c'est vraiment du déformed. Au niveau des jambes, voilà, ici en fait, dès que vous avancez, le tout bouge. Parce que normal, il y a le ressort, vous pouvez vraiment faire que l'arrière. Au niveau pied, à part l'inclinaison, vous n'allez pas très loin non plus. De toute façon, c'est pas le but d'avoir quelque chose qui est super articulé. Vous avez quand même la tête, par contre en même temps, ça bouge, espèce de cap. Les oreilles, on va les remettre, parce que vous voyez, hop, alors caoutchouc souple, bien correctement. Notre Mickey, enfin mini Mickey, est carrément là-haut avec un micro pour lui donner des ordres à son robot. Quand je vois, j'ai l'impression de voir un petit peu Grundinzer. Ça fait un peu bizarre, surtout avec la review que ça fait pas longtemps que je vous ai présenté Mazin Kaiser. Mais c'est un peu dans le même style. C'est vrai que le rouge, voilà, en Santa Claus est vraiment sublime. Quand j'avais vu les photos, les vidéos, ça me donnait pas du tout envie, mais là, à le manipuler, ah ouais, c'est quand même pas mal, Dernier point, sa boîte, voilà un aspect un petit peu Optimus, c'est plus un Rodimus, puisqu'on va pouvoir soulever comme ça la visière, et comme ça admirer ses beaux yeux bleus transparents. Même le MP04 est fan, que voulez-vous, il reste plus qu'à l'acheter. Alors on se dit à une prochaine, salut !